De retour, mesdames, messieurs, ici pour la suite des aventures de notre stream caritatif. Nous allons retrouver dans quelques instants d'autres joueuses québécoises pour un nouveau match de All Girl Draft QC. Mais pour le moment, nous accueillons avec nous IDD Cutie et la team Sailor Scout. Bienvenue à toi. Salut tout le monde, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de nous rejoindre pour venir commenter avec nous, parler un peu de la team Sailor Scout. Et également, avant ça, tu avais une première chose à faire sur le stream. Oui, je voulais prendre un selfie ensemble. All right, selfie en stream, c'est parti. Comme vous pouvez voir, j'ai un selfie stick magique. Voilà, le téléphone, voilà, le téléphone flotte dans les airs. Ok, vous êtes prêts, c'est 3 secondes le cooldown. Ouais, ok, parfait. Nice, superbe. Ça va être bon pour faire des mimes plus tard. On pourra faire des mimes avec ça, ouais, effectivement. Alors, on va retrouver dans quelques instants d'autres joueuses, comme on l'a dit, qui vont venir disputer une nouvelle partie. La game qui devrait commencer dans pas très longtemps, justement. Est-ce que tu sais quelles joueuses vont nous rejoindre, toi? Pas du tout. Ok, super, on va découvrir. On va découvrir en même temps. Du coup, on va voir s'il y en a qui vont rester, qui vont repartir. On verra bien. On va faire une dernière game, comme on l'a dit, une dernière game. Dernier BO3. Voilà, enfin, dernier, ouais. Un dernier BO3 de... Trois maps. Trois maps, voilà, trois maps en entier. Un BO3 complet avec les joueuses québécoises. Après ça, on partira sur des modes de jeu fun, custom, voilà, pour terminer la dernière petite heure de stream. Et après ça, nous aurons la cérémonie de fermeture avec toutes les sailors qui vont venir nous rejoindre et aussi toutes les personnes impliquées dans l'événement. Donc, loupez pas ça, voilà, loupez pas cette fin de stream. Tout le monde sera là, voilà. Donc... ça s'annonce encore passionnant pour la fin du stream. La game qui va être lancée, voilà, sur Numbani. Dans quelques instants, on va voyager directement en Afrique. Voilà, sur Numbani, nous y voilà. On va faire un petit point sur les donations. Voilà, qui a bien augmenté pendant la pause. 820 $. Merci à tous ceux qui ont donné aujourd'hui sur ce stream. Et merci également de nous suivre. Merci également de partager le stream, de parler du stream. Voilà, ça surtout pour la fin, en fait. Il faut partager encore plus. Effectivement, voilà, on arrive dans la dernière, dernière section de stream ici. Encore un petit peu moins de 2 heures. On va essayer d'avoir les 1 000 $ avant la fin. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphie? J'en reviens pas déjà, 800 $, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, effectivement. Ouais. Tu penses qu'on peut avoir les 1 000 avant la fin du stream? Je crois que oui. Je crois que oui, ouais, je pense. Les gens ont l'air très très chauds aujourd'hui, donc à mon avis, les 1 000 $ sont atteignables. On vous remercie, évidemment. Alors que la game, voilà, a été posée, puis on pause instantanément. Oui, non, c'est juste un miss call, on va dire. On va regarder un peu, Kensington, les compositions des équipes que nous avons actuellement. Oui, oui, oui. Du côté droit, l'équipe rouge. Ouais, l'équipe rouge qui sera en attaque, du coup, c'est ça. Donc, une combo relativement classique. Hein, donc, on va avoir le combo Winston-Zarya, qui est quand même pas mal, hein, on va dire, ça a été vu pendant longtemps hein, dans la méta. C'est très fort, ça permet de faire des gros push avec cette bulle qui protège facilement, on va dire. Le soldier qui va être là pour faire les dommages, les main dommages, on va dire, de la team. Le Reaper qui va être là un peu en support, on va dire, de ce soldier pour finir les picks et fighter sur ce point, en fait, parce qu'il va falloir le prendre. Et on a la Mercy et la Ana pour supporter tout ça. Du côté de la défense, on a quelqu'un qui est absent déjà, premièrement. Mais sinon, on a Symmetra, Torburn et du coup Orisa qui va se joindre à ça. Donc là, c'est un peu le trio infernal. Pour commencer ce nouveau match, j'ai envie de dire honneur à notre invité aujourd'hui. On va donc laisser Eddie Cutie de commenter le premier team fight. Je sais pas capable. Le premier team fight. C'est à toi. Vas-y, décris-nous du mieux possible ce qui se passe dans ce premier team fight. Ok. Ben là, il y a un Symmetra flanker, c'est ça? Non, excuse-moi, le Symmetra flanker. Elle est retournée par son équipe pour la défense. Les attaquants, ils montent en haut. Il y a pas d'action. Effectivement, il y a un peu d'action sur effectivement. C'est Kenneth qui a pris le premier kill. Avec son marteau. On va essayer de maintenir la tourelle en vie. Effectivement, ouais, Kenneth qui a pris le premier kill et c'est Annick qui va poursuivre pour un bon doublé. Bummer à son tour a essayé de rééquilibrer les dégâts, le débat. Il a pris un kill sur la tourelle, mais malheureusement, c'est pas forcément le truc qui compte le plus. On va se remettre en place du côté de défense. L'attaque va revenir et c'est le boss qui passe. C'est fait ses intentions et voilà. La Sombra qui va prendre la max, malheureusement, qui va tomber. Attention, on la Symmetra, ça a touché là. La bulle qui a touché. On va partir au sol du coup là pour cette équipe rouge en attaque. Zombie Corp qui a deux doigts de faire tomber cette Orisa. Malheureusement non, la tourelle de la Symmetra qui va l'arrêter. Et je pense que l'équipe des rouges voilà, va devoir reculer. Voilà, une nouvelle fois un kill de prix hein, de la part de Mixi. Mixi qui a sorti du coup la Symmetra et ça a l'air de réussir hein, pour l'instant. Ça a l'air de bien fonctionner. Ici Tachikoma qui va tomber. Voilà, Kelo HP. Adam Fire qui a bien suivi justement.
on va reculer en plus sur l'équipe rouge, on va tenter quelques dommages à distance, on va s'avancer pour l'instant. C'est l'équipe des bleus hein, qui presse très haut finalement en défense. Hein. Oui c'est ça, bah, avec Symmetra, Torbjörn et Orisa, on a vraiment une défense qui est très solide, c'est difficile de rentrer dans le tas. Et puis on a cette Sombra qui flanque en même temps, et qui mine de rien prend pas mal de piques et ralentit beaucoup l'attaque et surtout le regroupement en fait de l'équipe rouge. C'est plutôt difficile pour eux de se coordonner pour l'instant et on a beaucoup d'ultimates disponibles du côté de l'équipe bleue. Ça va être difficile à attaquer. Hein. Avec zéro ultimate du côté de l'équipe rouge, bah, ça commence à popper. Et le Mottencore voilà qui est parti de la part de Kanet, va pouvoir s'énerver un petit peu. Un kill de prix de la part d'Anik. Oh, Kanet qui va sur la Clumbolton. On a